fusion financière au changement climatique. Je suis Anouche Bezelc, je suis l'éditrice du portail Finev Francophone, la plateforme indépendante de connaissances du CIGAP. Donc, comme nous le savons tous, le changement climatique et la dégradation de l'environnement affectent de manière disproportionnée les populations à faible revenu des pays en développement. Que peut faire le secteur de l'inclusion financière face à cette tendance inquiétante? Les IMF et les autres prestataires de services financiers, en raison de leur lien direct avec ces populations, sont bien placés pour contribuer à renforcer la résilience individuelle et collective, de ces populations face au changement climatique. Elles peuvent également implémenter de bonnes pratiques écologiques au sein même de leur institution. Dans ce webinaire aujourd'hui, trois experts nous présenteront les techniques de leurs institutions pour s'adapter au changement climatique. Ils exploreront bonnes pratiques écologiques parmi les prestataires de services financiers et ils nous présenteront des initiatives inspirantes au Ghana et au Sénégal. Donc, avant de commencer notre webinaire, je voudrais faire quelques petits rappels techniques pour nos participants. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones resteront muets pendant toute la durée du webinaire. Tout à fait, vous pouvez quand même participer, vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Donc, précisez bien à qui votre question s'adresse et nous répondrons aux questions à la fin du webinaire. Donc, pour être sûr que tout le monde voit votre question, il faut bien sélectionner tout le monde dans le menu déroulant au moment de la poser. Et je vous invite également à nous dire dans le chat voilà, qui vous êtes et pour quelle institution vous travaillez et de quel pays, depuis quel pays vous vous connectez. Donc l'enregistrement et la présentation PowerPoint seront envoyés donc, à tous les participants et les inscrits dans les prochains jours. Donc, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois panélistes. Donc, notre première panéliste est Isabelle Barès, qui est consultante pour IMFP. Notre deuxième panéliste est André Roland-Youm, qui est directeur partenariat études et développement pour Kouri Microfinance au Sénégal. Et enfin, nous avons Olivier Bailly-Bécher, qui est Digital Transformation Coordinator pour Advance Nigeria. Donc, concernant le déroulé du webinaire, nos trois intervenants partageront enseignements et expériences sur l'adaptation de l'inclusion financière au changement climatique. Puis nous terminerons cette session, pardon, ce webinaire par une session de questions-réponses d'environ 25 minutes. Donc, je vais maintenant laisser la parole à notre première intervenante. Il s'agit donc de Isabelle Barès, qui va nous présenter la Green Map, entre autres. Donc, Isabelle, je te laisse la parole. Alors, Isabelle, tu es en mute. Bonjour à tous, on recommence. Bienvenue à ce webinaire sur l'adaptation au changement climatique, qui est effectivement, comme l'a mentionné Anouche, un sujet d'actualité et d'importance primordiale, étant donné la vulnérabilité croissante des populations, surtout celles à faible revenu, au changement climatique et aussi aux conséquences néfastes sur l'environnement. On entend souvent parler des activités d'adaptation en contraste à celles d'atténuation, donc je voulais juste commencer par dire quelques mots à ce sujet. Alors que les activités d'adaptation sont focalisées sur le fait de déterminer comment les populations ou les organisations peuvent s'adapter et faire face aux risques accrus liés au changement climatique, comme par exemple les risques de dommages, de destruction de l'infrastructure ou les risques de perte de récolte ou l'incapacité à se déplacer et à exercer son activité. Dans ce webinaire, nous parlerons non seulement de ce type d'intervention, donc qui permettent aux clients et aux organisations de s'adapter et d'augmenter leur résilience, mais nous parlerons de l'adaptation dans un sens plus large, donc de quelles adaptations doivent faire les institutions financières pour à la fois augmenter leur résilience et celle de leurs clients, mais aussi pour adapter leurs activités pour réduire leur empreinte et bénéficier des réductions de coûts, par exemple lors d'une transition à une énergie renouvelable. Donc, c'est juste pour mentionner que c'est un sens un peu plus large que juste l'adaptation et la résilience. Donc, dans mon intervention, je vais présenter les résultats du Green Map ou la carte verte. C'est un travail effectué en 2022 par une équipe commanditée par la plateforme européenne de microfinance, IMFP.
À travers le groupe de travail sur l'action climatique, pour ceux qui le connaissent, c'est le Green Inclusive and Climate Smart Action Group. Et le Green Map vise à recenser et à présenter de manière harmonisée les expériences des institutions financières en matière d'adaptation au changement climatique. Au cours de ce projet, nous avons récolté des données de nombreuses institutions financières et de projets qui opèrent au niveau global, autour de quatre axes principaux qui sont en ligne avec les normes de performance environnementale de Cerise et SPTF, donc qui sont retenus dans la dimension 7 de l'outil SPI ou dans le Green Index, dans l'index vert. Donc pour chaque institution ou projet participant à la Green Map, des informations ont été récoltées sur la stratégie environnementale, sur l'identification des risques et des opportunités environnementales, sur la gestion des risques et des opportunités, et finalement aussi sur les produits verts, financiers et non financiers qui sont offerts par les institutions financières. Moi, je présenterai ici quelques exemples de bonnes pratiques pour chacun de ces axes, en rappelant d'abord très brièvement ce que chaque axe comprend. Et si vous voulez plus d'informations sur les données collectées et sur les normes environnementales du Green Index, je vous invite à vous rendre sur le site du groupe de travail de EMFP sur l'action climatique. Tous les liens seront à votre disposition à la fin de mon intervention. Aussi, à noter que les exemples que nous allons voir ont tous fait l'étude ont tous fait l'objet, pardon, d'études de cas beaucoup plus détaillées que vous pouvez aussi consulter. Toutes ces publications sont aussi disponibles en ligne, donc vous pouvez les consulter à votre guise sur le site de EMFP. Alors, la prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, en premier, on parle de la stratégie environnementale. La première étape de l'adaptation au changement climatique pour les institutions financières est d'établir une stratégie cohérente qui définit clairement quelles sont leurs aspirations environnementales, quels sont leurs objectifs, à la fois au niveau de leur propre institution et aussi pour leurs clients, quels sont leurs objectifs pour réduire leur empreinte négative, mais surtout pour accroître leur résilience aux aléas climatiques. En plus de définir cette stratégie, à cette étape, on demande aussi que les institutions financières prennent en compte le contexte dans lequel elles opèrent, donc quelles sont les normes et les régulations environnementales en vigueur auxquelles elles doivent répondre ou sur lesquelles elles doivent s'aligner, et aussi quel est leur degré de conformité actuel avec ces normes et ces régulations, et quelles ressources et actions seront nécessaires pour s'y conformer pleinement. Sachant que le cadre réglementaire change énormément en ce moment, donc c'est parfois un grand défi. Aussi, à ce niveau de définition de la stratégie, quels sont les partenaires qui peuvent aider les institutions financières à identifier les risques et les opportunités et à y faire face et à les gérer. Que ces partenaires soient fournisseurs, prestataires d'assistance technique ou d'autres types de partenaires au niveau local ou international. Donc on verra dans les exemples, il y a un grand nombre de partenaires avec lesquels les institutions collaborent. Et après, à ce niveau, ce qui est aussi important de prendre en compte, c'est que en plus d'avoir des objectifs clairs, il est aussi important que l'institution ait les ressources nécessaires allouées pour permettre à atteindre les objectifs. Donc les ressources financières, les ressources humaines et aussi tous les politiques et processus mis en place qui permettent de soutenir la mise en œuvre de la stratégie. Donc maintenant, pour regarder quelques exemples. Alors, je ne vais pas pouvoir faire tous les exemples, on n'a pas assez de temps dans cette présentation, mais encore, vous aurez le deck à la fin et aussi toutes les études de cas. Mais alors, prenons juste quelques exemples. Donc, par exemple, Assilassimé Solidarité, donc c'est une IMF au Togo et qui a défini sa stratégie très, très spécifiquement. Elle a des objectifs très spécifiques et ciblés qui décrit précisément les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc, par exemple, un des risques clés qui a été identifié pour ses clients, c'est l'utilisation des produits chimiques. Donc, Assilassimé a défini comme objectif de convertir les clients qui utilisent des produits chimiques à l'adoption de solutions de stockage biologique. Donc, la stratégie décrit les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Par exemple, identifier les clients qui utilisent déjà le stockage biologique alors qu'ils puissent former les autres et partager leur expérience.
En plus de ça, la sensibilisation des clients au stockage biologique en s'appuyant sur des modules de formation existants, la mise en place de partenariats avec des fournisseurs de conservateurs biologiques et la mise en place d'un mécanisme de distribution en milieu rural de biofertilisants et biopesticides. Donc, c'est juste un exemple qui montre que la stratégie, ce n'est pas à un niveau général qu'elle doit être décrite pour être utile, c'est vraiment à un niveau quand même assez spécifique. On va passer à la prochaine slide. Désolée, je n'ai pas le temps de. Alors, le deuxième axe sur lequel on s'appuie pour regarder si les institutions financières sont en chemin pour s'adapter au changement climatique, c'est la mesure dans laquelle elles ont identifié les risques et les opportunités par rapport liés au changement climatique. Donc là, dans le cadre de notre étude et des normes qui ont été développées dans le Green Index, ça va au-delà du changement climatique, mais c'est en tout cas tous les risques qui sont liés aux problématiques environnementales et écologiques. Donc, au niveau des risques, il s'agit d'identifier, d'évaluer et de catégoriser les risques. Au niveau des opportunités, il s'agit de faire des études de marché pour comprendre bien les opportunités, les besoins des clients et identifier la demande et l'offre en matière de soutien écologique. Et à la fois pour les risques et les opportunités, il s'agit de renforcer les capacités du personnel et d'identifier dans quelle mesure il est important et nécessaire de créer aussi des partenariats formels ou informels avec d'autres organisations pour compléter les compétences que les institutions financières n'ont pas en interne. Là, je veux juste préciser que cette analyse des risques, elle est faite à deux niveaux. Elle regarde à la fois les risques au niveau de l'institution financière elle-même, donc dans quelle mesure est-ce que l'institution financière et elle-même fait face à des risques suite au changement climatique, mais aussi et surtout au niveau du client ou du portefeuille. Donc, il y a ces deux axes et on a identifié des bonnes pratiques selon ces deux axes. Prochaine slide. Donc là, on a encore plusieurs exemples. Alors, par exemple, Banca Mia en Colombie. Banca Mia est une banque de microfinance en Colombie. Elle fait partie de la fondation de microfinance BBVA. Donc, Banca Mia montre des bonnes pratiques pour identifier les clients vulnérables aux sécheresses, aux inondations et aux glissements de terrain ou aux avalanches. Donc, ils ont déjà identifié ces risques comme les risques primordiaux auxquels font face leurs clients. Et ils ont créé des cartes pour montrer la vulnérabilité liés au climat de leurs clients et font une analyse de la corrélation entre la vulnérabilité climatique et les impayés, le portefeuille à risque. Donc, ça permet à Banca Mia de concevoir des stratégies d'atténuation et d'adaptation qui sont adaptées aux besoins des clients et qui prennent en compte les risques spécifiques auxquels ils font face, en utilisant, et ça c'est important à mentionner, des données qui leur permettent de géolocaliser les clients et de corréler avec les risques climatiques. Donc les données, là en l'occurrence, qu'accède Banca Mia, ce sont des données du Centre national de modélisation de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales, et aussi des données de ArcGIS. Donc cet accès à ces données et la prise en compte de ça dans leur modèle de risque leur permet d'identifier très précisément les risques auxquels leurs clients font face et les conséquences sur donc l'utilisation des services financiers et la performance de repaiement. Une autre peut-être que je peux mentionner ici. Donc, un autre exemple, là, qui fait plus référence à identification de risques au niveau de l'institution, c'est avec Camcou en Équateur. Donc, Camcou a rénové son bâtiment en utilisant un système Edge, qui est un système qui permet d'intégrer des paramètres de construction éco-efficaces et qui vise à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et l'utilisation optimisée des matériaux recyclés pour réduire la consommation d'énergie et d'eau
a permis à la CACMU de réaliser des économies significatives en termes d'économie d'énergie et de réduction de consommation d'eau. Donc, ces adaptations qui ont été faites leur permettent non seulement d'avoir une infrastructure qui est plus résiliente, mais qui aussi contribue moins à les dégradations du climat, mais leur permet aussi de faire des économies considérables. Peut-être juste mentionner ici l'autre. Bon, on passe à la suivante. Excusez-moi, je regarde le temps. Le troisième axe concerne la gestion des risques et des opportunités. Donc, on les a identifiés. Maintenant, il s'agit de bien les gérer, donc d'intégrer les risques dans les processus et les politiques, de déployer des pratiques, des technologies et des produits qui créent des avantages et qui répondent aux besoins. Et au niveau de l'institution, donc d'avoir un plan d'urgence, de sensibiliser le personnel, d'être certifié selon les normes environnementales lorsqu'elles existent, ou même d'acheter des crédits carbone. Donc il y a plusieurs manières dont les institutions financières peuvent démontrer qu'elles mettent en œuvre des politiques pour gérer les risques qui ont été identifiés. Donc, si on prend maintenant quelques exemples, donc Cori, je ne vais pas la mentionner parce qu'on va avoir une intervention plus tard, on va rentrer dans les détails. Donc là, par exemple, pour Muktinaka Bank au Népal, donc ils ont mis en œuvre des lignes directrices par rapport à la gestion des risques environnementaux et sociaux, qui sont le ESRM, le sigle que j'ai mis là, et qui sont approuvés par le conseil d'administration, qui ont été approuvés en 2022. Et le personnel de Muktina Bank, qui est chargé de la gestion des risques, est partiellement impliqué dans le processus de mise en conformité avec ces lignes directrices. Donc, il n'y a pas de séparation. Les risques environnementaux et sociaux sont vraiment pris en compte complètement dans l'analyse des risques. La banque aussi, Muktina Bank, s'est associée à Edera Sustainable Solutions, qui est un des acteurs qui a permis de créer le Green Map aussi, pour identifier les opportunités écologiques au niveau du client ou du portefeuille. Donc, par exemple, le développement et la mise en œuvre de produits et de services écologiques en utilisant le cadre du projet Impact Air et des questionnaires d'évaluation spécifiques qui sont basés sur des méthodologies reconnues comme ESMAP pour l'accès à l'énergie ou le programme de suivi conjoint de l'OMS et de l'UNICEF pour les produits de WASH, donc d'eau et et l'échelle d'expérience et l'insécurité alimentaire de la FAO pour la sécurité alimentaire. Donc encore une fois, les risques identifiés, là, les risques étaient face à l'énergie, face à l'accès aux produits d'assainissement et accès à l'eau et la sécurité alimentaire. Donc une fois les risques identifiés, ça a permis à la banque d'établir ses partenariats pour pouvoir développer des solutions qui permettaient de répondre à ces risques. La dernière dimension sur laquelle je vais me pencher encore un petit peu, et qui parle sans doute plus souvent quand les institutions financières commencent à, enfin, se posent la question de comment commencer en fait cette trajectoire, de ce chemin, de s'adapter au changement climatique. Souvent, le point de départ auquel elle pense, c'est les produits. Comment adapter les produits financiers pour qu'ils permettent d'aider les clients à s'adapter au changement climatique. Donc, on a vu que, outre la définition déjà des produits, il y a tous ces autres axes qui sont aussi importants à prendre en compte et qui permettent d'avancer plus vite et d'avoir plus d'impact. Mais là, je voulais vous donner quelques exemples spécifiques des produits verts. Donc, de quoi on parle quand on parle de produits verts qui peuvent être offerts par les institutions financières? Il y a à la fois les produits financiers, donc l'offre de prêts verts, on en parlera un petit peu plus, et des produits non financiers. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Là, c'est
une diapo très chargée, j'en conçois, mais c'est pour vous montrer en fait la diversité déjà de produits qui peuvent être utiles, qui peuvent être offerts par les institutions financières pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc, il s'agit en ce moment surtout de prêts et de produits d'assurance, de micro-assurance, surtout pour les prêts agricoles, pardon, pour le, oui, pour le, les activités agricoles, pour les clients qui sont des petits agriculteurs. Et dans la catégorie des prêts, donc ce sont des prêts pour la mise en œuvre ou l'entretien, souvent d'équipements ou de technologies qui sont liés aux énergies propres ou des technologies et des équipements qui sont économes en énergie ou qui permettent d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc tout ça, ça répond, en fait, ce sont des prêts qui répondent à des risques spécifiques auxquels font face les clients. Donc en fonction de l'analyse des risques qui a été faite, en fonction de où les clients sont situés géographiquement et quels sont les aléas les plus communs et quels sont les risques qui sont liés à leurs activités, donc les institutions financières peuvent offrir des prêts qui sont ciblés en fonction. Donc voilà, après... dans la taxonomie ou les exemples qui sont donnés dans les normes qui ont été développées dans le Green Index, il y a des exemples très spécifiques qui vont encore plus loin que ce qui est présenté sur cette diapo. Par exemple, pour les prêts pour l'énergie renouvelable, il y a environ, juste pour les prêts d'énergie renouvelable, une vingtaine de produits très spécifiques qui sont recommandés comme des produits qui peuvent aider leurs clients à faire la transition vers une énergie propre. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Et la slide suivante, s'il te plaît. Donc là, ça vous donne encore quelques exemples. Annapurna en Inde, par exemple, offre des prêts pour répondre aux besoins en matière de qualité d'eau et d'hygiène. Donc, en collaboration avec water.org, ils ont développé un prêt spécifique à offrir à leurs clients. Le prêt offre une durée plus longue, des taux d'intérêt moins élevés, un calendrier de remboursement adapté. Donc voilà, ça c'est un exemple de prêt qui a été développé suite à l'identification d'un risque auquel faisaient face leurs clients. Et sinon, dans la catégorie des services non financiers, donc encore là, si on regarde l'exemple d'Annapurna, il y a des services qu'on appelle des services verts qui sont développés pour sensibiliser les clients. Donc, en plus de leur offrir accès à des prêts qui sont ciblés sur des actions qui vont augmenter leur résilience au climat, il y a dans le cas d'Annapurna, par exemple, des formations à l'utilisation d'eau potable, des technologies d'assainissement, des partenariats. Dans le cas d'Annapurna, le partenariat avec le Forum des citoyens. Donc, il y a énormément d'exemples comme ça où les institutions financières lient les produits financiers et les produits non financiers. Là, dans le cas de la Green Map, donc on a eu l'opportunité de travailler avec une trentaine d'organisations et d'avoir déjà un très grand nombre d'exemples de quelles sont les pratiques qu'ils ont mises en œuvre par les institutions et quels sont les produits qui sont développés par les institutions. Toute cette information a été harmonisée et est dans la Green Map qui est accessible sur le site donc de EMFP. L'idée de cette Green Map, c'était de rendre l'information plus accessible, donc pour que les institutions qui sont dans un processus similaire et qui veulent apprendre les unes des autres puissent voir ce que les autres font, quels sont le type de produits qui sont développés, quels sont le type de services qui sont développés. Il y a bien sûr beaucoup plus d'exemples qui ont été déployés par des institutions financières ou non, d'ailleurs. Beaucoup d'institutions non financières aussi sont en train de tester des produits qui peuvent être adoptés, notamment par les agriculteurs pour pouvoir les aider à faire face à la sécheresse ou aux pluies diluviennes. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples qui commencent à être répertoriés. Mais le but de la Green Map, donc, ça serait de répertorier les exemples de ces produits qui sont spécifiquement financés par les institutions financières qui ciblent les populations vulnérables. Donc,
On peut aller à la dernière peut-être slide. Voilà. Nous vous encourageons à aller explorer cette green map et à donner votre avis, sachant que c'est absolument un pilote, mais nous vous encourageons à aller voir quels types d'informations sont disponibles, à nous donner des commentaires aussi au sujet de l'information qui serait selon vous la plus pertinente, la plus utile à avoir accès pour vous aider à développer vos propres activités d'adaptation. Donc, il y a le contact là sur la diapo. C'est Johanna Alonso à la European Microfinance Platform qui est le contact principal donc pour obtenir votre retour. Donc, nous vous encourageons à la contacter. Et sur ce, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Isabelle pour cet éclairage sur la grid map et sur le travail d'IMFP. Je vais maintenant laisser la parole à notre prochain panéliste. Il s'agit donc d'André Roulon de Cori Microfinance. Et ce dernier va nous partager l'expérience de Cori au Sénégal. Donc André, on vous laisse la parole. Anusha, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger sur une thématique aussi d'actualité et qui nous permettra, nous, Cori, en tant qu'institution de microfinance, de pouvoir partager de manière pragmatique tout ce que nous avons réalisé dans le renforcement des communautés agricoles face à ce phénomène et c'est des communautés surtout à faible revenu. Mais permettez-moi, à l'entame de ma présentation, au moins de pouvoir citer quelques partenaires stratégiques qui nous ont accompagnés sur le plan stratégique comme sur le plan opérationnel à mettre en œuvre notre projet qui est un projet assez innovant. Je veux citer le partenaire BNP Paribas qui a facilité notre inscription au projet MEBA. MEBA, c'est Microfinance Écosystème basé sur l'adaptation. Remercier l'ONU Environnement à travers son programme qui, sur la base de la deuxième phase du projet, a fait une extrapolation vers l'Afrique et a choisi deux institutions, dont Cori Microfinance. Le troisième partenaire qui nous a accompagnés, c'est Gawa Capital, à partir de ce fonds Uruma, qui a accompagné le projet mis à l'échelle, et tout, le tout accompagné par Yapo Solutions, qui est notre partenaire technique et opérationnel. Ma présentation, comme je vous l'ai dit, ça va être une présentation assez pragmatique, mais ça va s'articuler autour de six grands points. Je vais vous faire déjà une présentation succincte hein, de notre institution qui s'appelle Cori Microfinance, et j'avais abordé dans la même thématique, dans la même dynamique, notre contexte pays comme contexte aussi institution liée à la thématique. Je vais vous parler de nos motivations face à la menace climatique, les défis pour faire face aux risques climatiques, les démarches, que ce soit les démarches stratégiques comme les démarches opérationnelles que nous avons entreprises, les réalisations concrètes en termes de données chiffrées, mais en termes aussi d'implication de la communauté, et vous parler de nos succès et contraintes et conclure par un point de vue. Suivant. Voilà, vous parlez de Cori, c'est une coopérative d'épargne et de crédit qui est basée au Sénégal, mais qui a été créée le 1er octobre 2005 par l'Église catholique qui est actionnaire et majoritaire. Partager avec vous quelques données au 31 décembre 2023, notamment en termes de clients actifs. Nous avons 147 534 clients actifs, dont 87% sont des femmes. Nous avons 75 749 emprunteurs actifs, dont les 62% se situent en milieu rural. Un encours d'épargne de 11 544 000 euros. Un encours de crédit de 23 868 810. 23 868 810 euros. Nous avons à ce jour 10 agences et 9 guichets rattachés et nous comptons 213 employés, dont 127 agents de crédit. Suivant. Parlant du contexte, il faut comprendre que
La thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est le changement climatique, est une menace qui est liée au changement dans les régimes de pluie, qui est liée aussi à l'extrême chaleur, ainsi que la montée des eaux de la mer. Et les conséquences de ces menaces sont assez visibles, en tout cas au niveau de nos pays, au niveau de nos institutions, par la perte de productivité de nos clients, le manque d'eau, ainsi que le besoin de plus en plus accru d'intrants. Et qui dit intrants impacte quand même sur l'activité directe des producteurs agricoles. Généralement, ce sont les producteurs agricoles qui sont les principales victimes de ces menaces. Et vous comprenez donc aisément qu'il y a une forte orientation rurale avec une mission sociale, que sa motivation essentielle liée à ce thème soit quand même une motivation réelle. Par rapport au contexte pays, vous comprenez, le Sénégal dispose d'une loi qui contenant un code de l'environnement. Et normalement, les projets et les programmes qui sont financés par le secteur financier, en tout cas, nécessite à travers cette loi une analyse environnementale préalable. Cela s'applique en théorie, hein, à la plupart des activités qui sont financées à Koury. Mais compte tenu quand même de la taille des crédits qui sont financés, donc ça ne devient plus obligatoire et ça échappe quand même au champ d'application de cette loi. Slide. Maintenant, quelles sont nos motivations face au changement climatique, à la thématique? Déjà, c'est pour faire face à nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance. Notre deuxième motivation, c'est que Cori s'est fixé comme vision d'être une institution socialement responsable, financièrement viable et leader dans l'offre de services aux populations vulnérables. Aujourd'hui, la troisième motivation, c'est que le portefeuille de crédit agricole de Kori évolue et qui représente aujourd'hui 25% du portefeuille global. Alors, face à cette situation d'exposition qui s'est très élevée et qui constitue une menace sur notre portefeuille, mais constitue aussi une menace pour les activités de nos producteurs agricoles, donc que Kori puisse prendre quand même des mesures d'adaptation qui peuvent contribuer à réduire leur vulnérabilité et améliorer la sécurité alimentaire de ces familles. Et la quatrième motivation, c'est enfin de pouvoir renforcer la capacité des producteurs agricoles et des communautés en général à prévenir, à atténuer et s'adapter aux impacts causés par les conditions climatiques qui sont devenues de plus en plus extrêmes au Sénégal. Slide. Mais nous étions face à plusieurs défis. Et les défis les plus majeurs, les plus importants face aux risques climatiques sont déjà que le risque climatique est peu intégré dans notre culture professionnelle. Et généralement, nous constatons que dans notre management quotidien, on ne prend pas en compte l'importance des effets du changement climatique sur nos activités. Le deuxième défi, c'était d'intégrer les risques climatiques et écosystémiques dans la cartographie des risques pour mieux gérer et suivre les éventuels impacts dans le portefeuille de crédit, comme je vous l'ai dit, qui représente presque plus de 23%. Il fallait, face à cette nouvelle menace, aussi informer, former le personnel de courrier et les clients sur le changement climatique et son impact pour les clients sur leurs activités, mais pour Cori sur ses activités majeures. Le troisième défi, c'était pour prendre en charge l'analyse des risques climatiques et environnementaux dans l'évaluation de nos demandes de crédit. Et le cinquième défi majeur, c'était vraiment de pouvoir mettre en place déjà, trouver des outils de gestion qui peuvent intégrer et aider
à déterminer le niveau d'exposition de notre portefeuille de crédit face à la menace due au changement climatique et même, je dirais, environnemental. Cela est. Alors, nous avions pris quand même nous avons préalablement une démarche qui était une démarche assez stratégique. En quoi faisant, comme je vous l'ai dit à l'entame de ma présentation, que Cori avait déjà intégré la seconde phase du projet MEBA, qui, dont la première phase a été développée en Amérique latine et qui a fait ses preuves empiriques. La deuxième phase, il y a eu une extrapolation au niveau de l'Afrique, avec l'ouverture à deux institutions, dont Cori Microfinance. Donc, Cori a bénéficié de ce projet qui est Microfinance écosystème basé sur l'adaptation. Mais Cori a procédé aussi à l'élaboration d'un programme quinquennal de développement et d'inclusion de 8 000 producteurs agricoles dans les chaînes de valeur agricole verte au Sénégal, pour un montant global de 4 148 112 euros. Et ce projet qui est en cours de déploiement, je vais en revenir tout à l'heure, mais c'est un programme qui intègre aussi d'autres acteurs. La mise à jour de notre cartographie des recueils, nous avons revu notre cartographie des risques en y intégrant, comme je vous l'ai dit tantôt, les risques qui sont liés, inhérents au climat, mais les risques qui sont inhérents aussi à l'environnement, qui sont devenus des risques réels sur notre activité. Mais il fallait trouver et élaborer des politiques de risques climatiques et écosystémiques, en social et environnemental, pour en soi définir des objectifs et des indicateurs sociaux et des indicateurs environnementaux. Sur la partie démarche opérationnelle, la première chose, je l'ai évoqué, le défi de la formation de notre personnel et donc clients. Nous avons procédé à la conceptualisation de modules de formation et aujourd'hui, ce module, il est même intégré dans la formation du personnel, le plan de formation du personnel. Nous avons conceptualisé aussi des produits financiers qui sont basés sur la nature et adapter nos échéances de crédit agricole et solaire. Nous avons défini aussi des seuils d'exposition par localité et par culture, ça veut dire par spéculation, par localité au niveau régional. Nous avons 10 agences régionales et au niveau de chaque agence, nous devons fixer des seuils à ne pas dépasser, liés quand même à une activité culturelle et liés aussi à une spéculation donnée. Le risque environnemental et climatique étant quand même une menace réelle sur les producteurs agricoles, nous avons mis en place une police d'assurance indicielle climatique. Et nous avons sélectionné et mis en place des outils de gestion digitaux, c'est Yapo Solutions, comme je l'ai dit, qui est notre partenaire technique, notre fournisseur de plateforme. Et l'outil de gestion qui est Updata Digital là, Yapo Solution, il présente vraiment beaucoup d'avantages. Déjà, ça améliore, en termes de processus, ça améliore l'analyse des risques parce que c'est digitalisé. Au niveau des risques, nous avons intégré maintenant dans l'analyse de nos crédits les risques climatiques, de biodiversité. Et en termes d'accès aux fonds, la mise en place de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la démarche opérationnelle, nous offre des opportunités d'accès des crédits. Et aujourd'hui, nous avons quand même de nouveaux partenaires qui s'intéressent plus à ce que Cori est en train de faire, notamment son projet EBA, qui est un projet assez innovant. En termes de digitalisation, je l'ai dit, du processus de crédit, nous avons intégré des indicateurs de vérification des risques climatiques et écosystémiques pour mieux gérer et suivre leur éventuel impact dans notre portefeuille agricole. Mais ça permet par ailleurs aux membres du comité de crédit d'accéder à l'information en temps réel et de procéder à l'analyse des résultats et à la prise de décision. L'outil permet à l'agent de crédit d'instruire les dossiers digitaux avec géolocalisation du client et de son périmètre. En termes de réalisation,
Nous avons mis en application des solutions EBA, c'est-à-dire écosystémiques, des solutions écosystémiques basées sur l'adaptation. Il y en a une panoplie, mais nous avons proposé de ces produits à nos clients qui, à travers des services financiers, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons mis en place des crédits solaires et nous avons mis en place aussi des crédits pour les biodiesel. Mais par ailleurs, nous avons mis en place aussi des services financiers dont la sensibilisation et la formation pour l'utilisation de ces technologies. Ces six solutions sur une panoplie de propositions soumises à Coury par Yapo Solutions, nous avons validé six solutions qui sont déjà l'exploitation des biodiesel, parce que l'exploitation des biodiesel génère en soi le gaz naturel, organique, et permet aux ménages de pouvoir faire leur cuisson, parce que déjà en milieu rural, le bois se fait de plus en plus rare. Et comme vous le savez, nos femmes sénégalaises, à quelques exceptions près, vivent les mêmes réalités que les autres femmes de l'Afrique, qui sont dans la même zone géographique, parce que les travaux domestiques sont très pénibles. Il faut le matin aller chercher du bois. Il faut donc préparer le repas, entre autres, ce qui fait que la femme, elle est souvent très occupée pour aller chercher du bois. Alors, l'exploitation des biodiesel permet, d'une part, de générer, comme je l'ai dit, de l'engrais organique et permettant à la femme de pouvoir cuisiner sans problème, surtout en période hivernale. Mais ça génère aussi de l'engrais organique. L'engrais organique qui est généré, ben, se permet à nos producteurs de pouvoir fertiliser davantage le sol, ou bien par ailleurs de pouvoir les commercialiser et d'avoir des revenus additionnels pour le fonctionnement, pour la prise en charge de leurs besoins quotidiens. Nous avons pris aussi comme solution l'irrigation goutte à goutte, comme je vous ai dit tantôt dans l'exposé de la thématique, que l'eau, les nappes sont devenues de plus en plus chères, l'eau devient de plus en plus rare, donc l'irrigation goutte à goutte constitue et permet aux clients, aux producteurs agricoles de pouvoir économiser d'eau et de pouvoir arroser sans grosse difficulté. La diversité et la rotation culturelle. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous demandons aux producteurs agricoles, du moment qu'il y a la menace, si vous avez 5 hectares, ne mettez pas la même spéculation sur les 5 hectares. Essayez de diversifier en mettant, par exemple, du maïs, de l'arachide, du sorgho, comme ça. S'il y a une menace qui perd sur une spéculation, au moins le producteur aura la possibilité de récolter d'autres produits agricoles. L'utilisation des équipements agricoles. Aujourd'hui, l'arrosage, comme je vous ai dit, un producteur compte tenu du réchauffement climatique, les producteurs agricoles qui arrosaient 2 fois dans la journée sont obligés maintenant d'arroser 3 ou 4 fois. En quoi faisant? Ça impacte sur leur budget d'activité parce qu'ils consomment beaucoup plus de fuel, beaucoup plus d'essence. Ils entretiennent beaucoup plus leurs équipements d'arrosage, alors que l'équipement solaire bien aménagé peut quand même aider à amoindrir ces coûts. Et nous proposons aussi la pisciculture comme sixième solution. En termes de réalisation, nous avons dégagé 620 crédits pour environ 1 887 418 euros, qui est injecté, qui est réparti ainsi sur les installations de l'exploitation des biodiesel, 590 prêts pour 1 650 000 euros, soit 1 082 621 francs CFA. Mais autour de ces biodiesel, il faut comprendre que nous avons développé toute une économie circulaire parce que les producteurs agricoles qui produisent l'engrais, ben, permettent aux transporteurs de venir les récupérer et il y a des entreprises intermédiaires qui viennent les collecter et les fournisseurs d'intrants qui viennent les récupérer. Pour le financement de l'engrais organique, nous sommes en contractualisation avec une fédération d'organisations de producteurs qui est basée dans une zone arachidière, zone rizicole, dans la zone sud du pays, pour ceux qui connaissent bien le Sénégal, à Kolda. Et
Nous avons injecté 30, 180, 488 millions de francs CFA pour l'acquisition en engrais organique. Alors, ce qui nous a fallu, ces facteurs, ce succès peut-être, c'est peut-être lié à l'engagement d'abord fort des administrateurs et des dirigeants. Il y a un fort engagement des administrateurs et des dirigeants qui soutiennent vraiment ce projet Ebadoukouri. Déjà dans la stratégie, il y a déjà dans l'axe 1 du programme stratégique, c'est-à-dire du plan de développement de Koury qui couvre la période 2020-2024, l'axe premier définit clairement dans son plan de développement que le financement vert devient une priorité pour l'institution. Il y a aussi une bonne appropriation du projet par le personnel de terrain, c'est-à-dire les agents de crédit. Le système d'information que nous disposons, qui est un système parfait, est un système très modulable et prend en compte tous nos besoins en termes de spécificité, mais nous offre aussi la possibilité d'interconnexion avec la nouvelle plateforme Yapou par le développement d'API. L'autre succès, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a une prise de conscience et il y a un intérêt manifeste des populations aux solutions que Koury est en train de proposer, c'est-à-dire les 6 solutions EBA. Mais néanmoins, dans la mise en œuvre, nous rencontrons des difficultés. Et les difficultés s'articulent autour de l'accessibilité des données à jour liées au climat et à l'environnement. Parce que comprenez que la plateforme digitale, pour la mettre en place, pour le contexte, pour la contextualiser, il faut lui donner des données référentielles, c'est-à-dire des données météorologiques, des données climatiques, des données environnementales. Et ces données, il faut aller les trouver, les chercher dans les services étatiques ou bien d'autres agences de développement. Mais pour les avoir, des fois, ce n'est pas si évident. Il y a le coût élevé pour la sensibilisation et la formation des clients et du personnel. Oui, pour parler de la thématique qui est une thématique nouvelle, il faut mettre tout le monde au même niveau. Il faut capaciter nos agents, mais il faut aussi informer, sensibiliser et former nos clients sur le risque afin que cette prise de conscience là soit effective. Les coûts des investissements, oui, le projet dans sa mise en œuvre nécessite beaucoup d'investissements en termes d'acquisition d'équipements informatiques, en termes de développement de nouveaux d'API. Tous ces investissements-là coûtent cher, mais néanmoins, Koury en a fait quand même une démarche, un engagement volontariste. Même sans soutien, Koury est en train de déployer, mais sollicite quand même l'appui des autres partenaires. En termes de conclusion, je vous dis déjà que les clients des IMF et leurs opérations sont très lourdement impactées par les impacts négatifs, par les effets négatifs du changement climatique. C'est une réalité chez nous. D'où la nécessité de les soutenir dans la mission de lutte contre la pauvreté et de promotion économique et sociale des populations, qui est aussi une mission de nos institutions de microfinance. C'est de notre responsabilité fiduciaire de les soutenir. Alors, à mon avis, aucune institution ne doit rester insensible à ce phénomène et que les IMF, de manière générale, ont une responsabilité et un rôle essentiel et primordial à jouer dans le renforcement de la résilience des communautés vulnérables et des communautés agricoles. Voilà, Isabelle, de manière avancée. Si vous avez besoin de mes contacts, je suis basé au Sénégal. Le email, c'est arium@koury.mf.info. Et je reste à votre disposition à toute fin utile. Et si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Merci beaucoup André pour le partage d'expérience de Cory. On va maintenant passer à notre dernier panéliste, donc Olivier Bailly-Bécher du groupe Advance. Olivier, je vous laisse partager vos slides. Et c'est bon, on voit votre écran. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation et ce moment d'échange autour de ce sujet important.
Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience du groupe Advance en termes de stratégie climat, non pas dans mon rôle actuel chez Advance Nigeria, mais précédemment comme DG de la filiale au Ghana, qui a été un des principaux pays pilotes dans la mise en œuvre de cette stratégie pour le groupe Advance. Donc, le groupe Advance, c'est un groupe international de microfinance qui a été créé en 2005. Qui intervient principalement en Afrique, dans 6 pays, mais aussi dans 3 pays d'Asie, et qui offre des services financiers principalement à un public de micro, petites et moyennes entreprises et d'agriculteurs, qui a environ 1,3 million de clients. Plus spécifiquement au Ghana, on a à peu près 120 000 clients, 20 agences réparties dans différentes régions et un petit peu moins de 600 employés. Donc évidemment, cette stratégie, elle a été initiée au niveau du groupe, avec le constat que l'Afrique notamment contribuant le moins au changement climatique, mais en étant la plus impactée, c'était évidemment un sujet important. Nos publics cibles sont aussi les populations les plus vulnérables au changement climatique, et évidemment constatant l'accélération de la survenance de plus en plus d'événements climatiques et des impacts qui y sont associés. Donc pour nous, c'était important de pouvoir mieux comprendre ces risques, de pouvoir mieux les prendre en compte et aussi de voir quelles peuvent être les opportunités pour mieux servir nos clients et les aider à s'adapter au changement climatique. Donc cette stratégie, elle a démarré en 2022 dans 3 pays pilotes, qui sont le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Pour ça, on a été soutenu par la coopération britannique, la Banque européenne d'investissement et FMO. C'est important de le souligner parce que je pense que c'est une aide qui a été très utile dès le démarrage pour pouvoir allouer des ressources dédiées à notre stratégie climat. Donc au Ghana, on avait par exemple un chargé de projet dédié qui a été financé par ces bailleurs de fonds et qui nous a réellement aidé à mettre en place des actions concrètes, pousser cette stratégie au sein de l'institution, mais qui nous a aussi permis d'accéder à de l'expertise technique importante pour pouvoir mieux comprendre ces risques, développer des méthodologies spécifiques. La stratégie du groupe et au Ghana, elle s'est articulée autour de 4 piliers principaux. Le premier, c'est d'abord de gérer l'impact interne et de sensibiliser nos équipes au changement climatique. Le deuxième, c'était orienté sur l'impact externe, en évaluant l'impact du changement climatique sur nos clients, mais aussi sur nos portefeuilles. Le troisième pilier, c'est de renforcer la résilience de nos clients, et particulièrement ceux plus vulnérables au changement climatique. Et enfin, dernier pilier, qui est un pilier qu'on commence à implémenter à partir de 2024, d'adapter nos produits et nos services pour renforcer la résilience de nos clients sur le long terme. Donc, sur le premier pilier, qui est l'impact interne, ça s'est d'abord traduit de manière concrète par une évaluation de notre empreinte carbone en tant qu'institution. Au Ghana, donc on a mené des bilans carbone dans plusieurs de nos filiales et notamment au Ghana pour évaluer nos émissions directes et indirectes. Donc ici, vous avez un peu les différents scopes qui sont pris en compte dans les méthodologies de bilan carbone assez standard. On a été aidé par un consultant externe pour mener ce travail. Ça a permis de mieux comprendre quels étaient les principaux postes et sources d'émissions de carbone au sein d'Advance Ghana. Donc, le principal poste, c'est autour de l'électricité, qui représente 36%. Le deuxième poste, c'est tout ce qui a touche a trait au déplacement de nos collaborateurs entre leur domicile et le lieu de travail. Et enfin, tout ce qui est autour un peu des réfrigérants, donc notamment l'utilisation des climatiseurs dans nos différents points de vente et au siège. Donc, sur la base de ce bilan carbone, c'était une première base qui nous permet aussi de faire des benchmarks avec les autres filiales et avec les benchmarks qui peuvent exister dans nos pays respectifs. Et ça nous a permis de bâtir un plan d'action pour réduire notre empreinte carbone et aussi pour pouvoir la compenser,
Donc, quelques exemples autour de ça. Donc, pour la compenser au Ghana, par exemple, depuis 2019, on a une activité de replantation d'arbres pour compenser notre consommation de papier annuel. C'est notamment un sujet qui a aussi permis de fortement sensibiliser nos employés à cette question. Et depuis 2019, au Ghana, on a pu baisser de 15 à 20% notre consommation de papier. Il y a aussi un appui au personnel dans différentes filiales pour le transport entre leur domicile et le lieu de travail, avec du covoiturage, la mise en place de télétravail aussi et d'autres initiatives qui peuvent être prises. En termes de consommation électrique, de climatisation, l'idée c'est de pouvoir petit à petit acheter des équipements moins consommateurs en énergie, donc par exemple climatiseurs réversibles. On a fait aussi un travail au Ghana d'optimisation de nos installations électriques à travers les compteurs, les types d'abonnements, le câblage, qui ont permis aussi de réduire nos factures et notre utilisation. Une sensibilisation aussi de nos staffs sur l'utilisation électrique, l'utilisation d'eau. On a aussi fait faire une évaluation de nos installations, de certaines de nos installations, notamment nos sièges, avec le système Edge dont Isabelle a parlé dans sa présentation, pour voir bah, justement où étaient nos principales consommations et quelles sont les techniques qu'on peut mettre en place pour réduire nos consommations. En Côte d'Ivoire aussi, on a commencé à installer des panneaux solaires dans certaines de nos agences pour réduire le coût et notre consommation d'énergie électrique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point en interne, c'était évidemment de sensibiliser nos équipes à la question du changement climatique et de pouvoir en faire des ambassadeurs au sein de notre institution, mais aussi ensuite, évidemment, avec nos clients et nos partenaires. Donc pour ça, on a utiliser un très bon outil qui s'appelle la fraise du climat, qui est une méthode qui est maintenant mondialement reconnue pour sensibiliser au changement climatique. Qu'est-ce que le changement climatique? Quelles sont ses causes? Quelles sont ses conséquences? Donc, c'est un atelier très interactif et assez ludique de 3 heures. Vous en voyez une photo ici qui permet de mieux comprendre tous ces phénomènes et de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à notre niveau, individuellement, collectivement, pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Donc, à ce jour, par exemple, au Ghana, on a formé près de 80% de nos collaborateurs sur cette fresque à travers les différents ateliers. Et on a aussi formé en interne des formateurs qui peuvent animer ces fresques en interne désormais. On a aussi formé notre conseil d'administration on est en train de développer au sein du groupe des nouveaux modules de formation pour aller un petit peu plus loin dans la prise en compte et la compréhension des risques climatiques pour les agents, pour le management, pour les conseils d'administration de nos différentes filiales. Le deuxième pilier, donc, c'est autour des risques externes. Donc là, on a commencé à travailler sur l'évaluation des risques climatiques, notamment pour nos clients et pour nos portefeuilles. Donc on a bâti avec l'aide de consultants, notamment Aurus Development Finance et des experts climatiques, un modèle d'évaluation des risques climatiques qui a consisté d'abord à identifier les principaux types d'aléas climatiques auxquels on fait face dans nos pays d'intervention. Donc, les principaux qui sont intervenus, donc c'est les inondations, notamment liées aux pluies diluviennes, la pénurie d'eau, les chaleurs extrêmes sont les principaux types d'aléas, mais il y en a d'autres qui avaient été aussi identifiés. On a regardé leur prévalence à la fois aujourd'hui et quelle serait aussi leur prévalence d'ici 2040 pour pouvoir avoir des photos à aujourd'hui et aussi qu'est-ce qui nous attend potentiellement dans les années à venir. La deuxième partie était de voir quelle est l'exposition de nos clients à ces aléas climatiques en fonction de leur localisation géographique et notamment de la localisation géographique de leurs activités. Donc pour ça, on a utilisé à la fois des données statistiques locales disponibles, mais aussi les données GPS de nos clients pour pouvoir faire un mapping
en fonction des différents types de risques climatiques selon la localisation de nos clients. Le troisième aspect, c'était d'évaluer la vulnérabilité de nos clients et de leurs activités par rapport à leur secteur d'activité en fonction de chaque type d'aléa climatique. Donc, l'idée, c'est de voir quel est l'impact potentiel de ces aléas climatiques en termes de revenus, en termes d'actifs pour nos clients. Donc, pour ça, on a mené des enquêtes auprès de nos clients. On a aussi mis à contribution nos chargés de clientèle, nos agences, pour évaluer ces degrés de vulnérabilité par secteur d'activité. On en a choisi une quinzaine qui représentait à peu près 70 à 80% de nos portefeuilles de crédit. Donc la combinaison de cette exposition géographique et sectorielle nous permet de définir un risque physique, qui est un peu la vulnérabilité globale de nos clients. On a commencé à y associer une vulnérabilité par secteur d'activité au risque de transition. Donc ça, c'est plus une projection sur l'avenir. Donc comment les réglementations, les changements des préférences des consommateurs pourraient impacter à l'avenir les secteurs d'activité de nos clients. Et ça permet de déterminer un certain degré de résilience de nos clients. De manière un peu plus concrète, ça se traduit un peu par... Voilà, ici, vous voyez les différents aléas climatiques, les degrés d'exposition qu'on a pu évaluer aujourd'hui et dans le futur. Et on voit que dans le cadre du Ghana en particulier, les principaux risques, c'est les inondations liées aux pluies diluviennes. Donc là, on voit qu'on a en orange clair et foncé déjà 70% de du portefeuille évalué qui était... potentiellement à risque par rapport à ce type d'aléa. On a ensuite les water stress et les chaleurs extrêmes qui, eux, sont plus localisés soit dans certaines zones urbaines ou dans le nord du pays qui est plus soumis à ces risques spécifiques. Évidemment, selon les pays, en Tunisie, en Côte d'Ivoire ou au Ghana, le pourcentage d'exposition à tel ou tel type d'aléa est plus ou moins important. En Tunisie, les pénuries d'eau sont plus prégnants, notamment dans l'agriculture. En termes de secteur, ce qui est ressorti évidemment fortement, c'est l'agriculture comme secteur le plus à risque, avec des différences selon les types de cultures. Évidemment, le cacao est particulièrement exposé en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le maraîchage, l'élevage et les céréales étaient plus exposés en Tunisie, par exemple. On a fait des focus aussi plus spécifiques sur les femmes, notamment dans l'agriculture, puisqu'elles sont souvent plus impliquées dans l'agriculture de subsistance, qui est plus impactée par le changement climatique, mais aussi dans des secteurs comme le karité, où on intervient dans des programmes dans le nord du Ghana, où là, les pénuries d'eau, on a eu pas mal de focus group avec des femmes qui nous ont permis de voir que la pénurie d'eau fait aussi que les femmes couvrent plus de distance en général pour aller chercher de l'eau, qu'il y a de moins en moins de points d'eau disponibles, que ça se fait sous des chaleurs de plus en plus fortes. Donc on a pu constater à travers ces focus group aussi que ça avait des conséquences en matière de santé publique, avec une augmentation des fausses couches, par exemple, parmi nos clients dans l'activité du karité. Donc on essaye aussi d'avoir des réponses un peu plus spécifiques qui peuvent aussi traiter ces aspects-là dans les communautés dans lesquelles on intervient. En zone urbaine, c'est aussi des choses importantes, puisque tout ce qui est évidemment lié à des chaînes de valeurs liées à l'agriculture sont impactées, la restauration, l'importation de produits frais, de maraîchage, des activités de détail aussi, puisque c'est souvent des activités qui ont des stocks importants dans leur boutique qui peuvent être affectées par des inondations soudaines, et aussi des activités qui ont une consommation assez forte, de l'électricité ou qui dépendent, d'équipements électriques, pour mener à bien leur activité. Évidemment, l'idée, c'est maintenant, on a commencé à intégrer des questions relatives aux risques climatiques dans nos formulaires d'analyse crédit, avec des données qui sont enregistrées ensuite grâce à cette collecte dans nos systèmes bancaires et qui vont nous permettre graduellement
d'intégrer le risque climatique dans des systèmes de scoring. Donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas d'exclure les clients qui sont plus exposés à ces risques-là, mais au contraire, de mieux comprendre ce qui est à l'œuvre et les dynamiques et de pouvoir apporter des réponses ciblées aux besoins et à nos clientèles plus vulnérables. Donc le troisième pilier, c'est plutôt un pilier lié à la sensibilisation de nos clients. Évidemment, on a des clients qui ont déjà été impactés à des événements climatiques, qui ont eu des impacts sur leurs activités. On a pu constater que certains se sont déjà adaptés, mais souvent à la suite d'un événement climatique, donc il y avait déjà eu des dommages, mais que globalement, la sensibilisation à ces questions du risque climatique était assez faible parmi nos clients. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mener des campagnes et des actions pour pouvoir les aider à mieux prévenir ces risques, à mieux s'en protéger pour pouvoir réduire les conséquences négatives. Donc on a par exemple développé des flyers à travers une action pilote dans certaines de nos agences sur le risque d'inondation lié aux pluies. On a vu très récemment à Abidjan qu'il y avait c'était un risque majeur. Donc là, on donne dans ces formulaires quelques petits bonnes pratiques ou des conseils pour pouvoir mieux se protéger, surélever ses stocks, par exemple, débrancher ses équipements électriques quand on n'en a pas besoin, s'assurer que les égouts autour de vos boutiques ou du marché sont bien nettoyés régulièrement. On a mené aussi des actions, on a distribué des palettes à nos clients pour pouvoir les aider à surélever leurs stocks ou leurs équipements électriques. On a fait des campagnes sur les réseaux sociaux sur ces éléments-là. Et bon, pour l'instant, c'est de manière pilote, mais l'idée, c'est de graduellement démultiplier ces campagnes-là sur les différents types de risques climatiques et à travers différents canaux auprès de nos clients. Le dernier pilier, donc, comme je l'ai dit, c'est un pilier sur lequel on a commencé à travailler plus fortement en 2024, c'est de pouvoir adapter nos produits et nos services pour contribuer à renforcer la résilience de nos clients à long terme et donc de pouvoir plutôt les aider et non pas les exclure du fait de leur plus grand risque. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir d'abord assurer la continuité de l'activité principale pour tous nos clients. S'ils sont soumis à un aléa climatique, donc à travers différents produits, que ce soit de l'assurance, des périodes de grâce, des rééchelonnements, des produits d'épargne, des produits de garantie, des produits d'assurance, de pouvoir aussi continuer à financer durablement nos clients dans l'agriculture, qui est le secteur le plus exposé aux risques climatiques, mais aussi un secteur essentiel et à très fort potentiel. Donc, comment on peut allier ces deux aspects-là ensemble? Donc, là, à travers éventuellement des partenariats pour fournir de la formation sur l'agriculture intelligente, des nouvelles pratiques, de la diversification agricole, le financement d'intrants, la replantation pour pouvoir mettre en place des variétés d'arbres, par exemple, qui sont plus résilients au changement climatique et avec des focus plus spécifiques sur les femmes dans l'agriculture. Au niveau urbain, c'est de pouvoir rechercher des opportunités en termes d'adaptation, notamment dans le domaine de l'énergie, donc avec différents types de prêts qui peuvent les aider à rénover leur boutique, à mieux l'installer pour protéger leur stock, mais aussi réduire leur consommation d'énergie ou garantir un accès permanent à l'énergie pour assurer la continuité de leurs activités. Progressivement aussi, voir comment on peut aider des clients à faire une transition, notamment toutes les activités un peu de seconde main, comme la friperie, comme l'importation de pièces détachées, qui peuvent être impactées fortement par des changements de réglementation en Europe, aux États-Unis ou dans les pays même. Et donc, c'est commencer déjà à les préparer à se diversifier et à s'adapter à ces évolutions qui peuvent être aussi réglementaires. Et voir aussi quels sont les secteurs d'activité verts ou à faible émission de carbone qu'on pourrait soutenir plus fortement à l'avenir. Donc ici, il y a un enjeu qui est important, à la fois sur la sensibilisation, l'éducation, mais aussi le développement de produits.
c'est comment on arrive à développer des écosystèmes dans nos différents pays, développer des partenariats pour pouvoir avoir des effets de levier plus importants sur la sensibilisation, l'éducation, mais aussi développer des services non financiers qui peuvent être associés à nos services financiers. Donc, tous ces éléments-là sont aussi des enjeux importants pour l'avenir. Et notamment avec, on l'a dit, c'est un thème qui est à la mode, mais c'est aussi un thème qui génère beaucoup d'acteurs. Et il faut savoir parfois faire le tri entre tous ces acteurs pour trouver la bonne expertise et les bons partenaires. Donc ça, c'est aussi des enjeux qui sont importants pour la suite. Voilà, merci de m'avoir écouté. Puis on est ouvert à vos questions pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Bailly-Bécher, pour cette présentation très intéressante. Donc, on va maintenant passer à la session de questions et réponses. Donc, on a un petit peu dépassé le temps avec les présentations. Donc, on aura une session très courte. Je demande donc à nos panélistes s'ils peuvent donner des réponses succinctes pour qu'on ait le temps d'en couvrir le maximum. Donc, j'ai une première question pour Isabelle. Quelle est la rentabilité de ces nouveaux produits verts? Alors, très bonne question. J'étais en train de réfléchir justement en regardant la question. Je pense, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de recherche compréhensive qui a été faite sur le sujet. Peut-être je me trompe, mais je pense que la rentabilité des produits verts, déjà, ça dépend si on parle des produits financiers ou des produits non financiers. Pour les produits financiers, il me semble que la rentabilité des produits financiers qui sont focalisés sur le financement ou le soutien des activités vertes aura sans doute, aura sans doute une rentabilité à long terme supérieure dans la mesure où elle réduit le risque pour les micro-entrepreneurs, pour les clients et leur permet d'avoir eux-mêmes des activités qui sont plus résilientes. Donc, dans la mesure où les clients peuvent être plus résilients, avoir par exemple, des cultures pour les agriculteurs, des cultures qui vont leur permettre d'avoir de meilleurs rendements et de ne pas être aussi vulnérables aux aléas climatiques, ça va leur permettre d'être plus en mesure de repayer leurs engagements. Et donc, je pense que ce qu'on va voir dans le moyen long terme, c'est des portefeuilles verts qui seront sans doute, qui continueront à être sans doute de bonne qualité, étant donné qu'ils permettront à leurs clients justement de réduire leur vulnérabilité. Voilà. Donc, je ne sais pas si André aurait ou je ne sais pas si les autres intervenants auraient quelque chose à rajouter là-dessus, mais il me semble que c'est un investissement qui est directement lié à la rentabilité même des clients, donc où les retours se retransmettent sur les institutions elles-mêmes. Oui, peut-être pour compléter, je pense qu'en effet, déjà, il y a un impact évident qui sera sur le coût du risque, qui est un levier important de rentabilité. Et ensuite, en ayant des produits adaptés aux besoins des clients, ça permet aussi de maintenir un avantage potentiellement compétitif et donc de garantir des revenus, de aussi driver la génération et la mobilisation d'épargne qui pourrait être alloué à la prévention de ce risque climatique. Donc, je pense qu'il y a différents leviers. Et je pense que cette question de la rentabilité, de l'enjeu, on va dire, business, de pourquoi il faut prendre en compte ces risques-là et les intégrer dans mes méthodologies, c'est aussi un facteur de communication très important en interne pour sensibiliser nos équipes, notamment commerciales, pour leur faire comprendre que ce n'est pas juste un discours ou des actions un peu de responsabilité sociale et environnementale, mais que c'est d'abord un enjeu de business et de soutenabilité et de pérennité de nos institutions à moyen et long terme. Et peut-être juste pour ajouter quelque chose par rapport à cette question, je pense qu'elle venait de Charles Cordier. Si la question était par rapport au delta spécifique en fait de rentabilité pour les produits verts comparés aux produits non verts, je pense que c'est là où il y a énormément de potentiel de faire plus de recherches là-dessus, parce que
pense que la perception que le coût de mettre de développer et de mettre en application en fait, des produits verts, la perception est que ça coûte cher et que c'est un investissement considérable. Donc, il serait important d'avoir plus de recherches dans ce sens-là pour permettre vraiment de voir effectivement quelles sont les retombées. Merci beaucoup Isabelle et Olivier pour cet éclairage. J'ai une question maintenant pour André et Roland Young. Donc, quels sont les risques climatiques et environnementaux qui ont été pris en compte dans la cartographie des risques de Cori? Oui, les risques qui sont pris en compte, c'est les risques d'inondation. Il y a les risques aussi de sécheresse. Il y a les risques d'attaque acridienne. Je crois que c'est ces risques-là aussi qui sont de commun accord, hein, que nous avons validé avec l'assurance. C'est les mêmes risques qui sont pris en charge. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour Olivier. Donc la majorité des IMF ont des difficultés financières pour mettre en place des stratégies de transition écologique, économique et sociale. Est-ce que les bailleurs de fonds intègrent cet aspect dans les plans de financement pour promouvoir l'adaptation climatique? Ok. Ben, en tout cas, c'est clairement une question et un sujet auquel les bailleurs de fonds s'intéressent beaucoup désormais et l'intègrent de manière maintenant quasi systématique, si ce n'est systématique, dans le développement de partenariats avec des institutions financières. Aussi parce que le cadre réglementaire introduit de plus en plus ces questions. Donc, c'est s'intéresser et intégrer la dimension climatique dans nos institutions financières, c'est aussi anticiper des futures évolutions réglementaires auxquelles on devra se soumettre. Dans le cas d'Advance, hein, on a bénéficié d'appuis, comme je l'ai dit en introduction, de plusieurs bailleurs de fonds. C'est des appuis qui ont été essentiels puisque, justement, ils permettent réellement d'investir dans ce sujet, en allouant des ressources dédiées. Donc, nous, par exemple, on avait un chargé de projet qui a vraiment aidé au Ghana à mettre en place l'ensemble du projet, driver le sujet auprès des équipes, conduire des premières activités. Donc ça a été évidemment un accélérateur pour nous, pour nous permettre de s'intéresser à cette question, mais ça nous a aussi permis d'avoir accès à des consultants qui sont experts dans le domaine, puisqu'on ne disposait pas de cette expertise en interne, et donc de pouvoir vraiment structurer notre approche, notre méthodologie et les différentes actions qu'on pouvait mener. Ça a été vraiment aidé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de bailleurs de fonds, de fondations, de différents acteurs qui ont des ressources qui peuvent être allouées à ça. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a fait un pilote avec Poula sur la mise en place d'une assurance indicielle, on a eu par exemple Blue Orchard qui prend en charge le paiement des primes d'assurance des agriculteurs sur les 2 premières années. Donc, il y a différents niveaux sur lesquels on peut trouver différents acteurs qui ont des ressources qu'elles peuvent allouer à ces questions-là et qui sont de plus en plus intéressées à trouver des acteurs financiers et non financiers qui peuvent intervenir sur ces sujets. Merci beaucoup Olivier. Je vais poser maintenant une dernière question à chacun de nos panélistes avant de clore le webinaire. J'ai donc une question pour Isabelle. Quel rôle jouent les technologies financières et dont les fintechs dans la promotion de l'inclusion financière dans le contexte des défis climatiques? Je pense qu'il y a un lien absolument évident entre le potentiel des fintechs et des partenariats entre les fintechs et les institutions brick and mortar, les institutions traditionnelles, pour permettre de faire face aux défis, à la fois pour l'acheminement des services financiers, donc dans des zones qui vont devenir de plus en plus difficiles à accéder avec les nouveaux aléas climatiques. Mais aussi pour utiliser la technologie pour développer des nouveaux services qui permettent justement d'augmenter la résilience. Donc, par exemple, les services d'assurance
qui sont basées sur les données de des données climatiques, enfin des données liées aux cultures. Tout ça ne peut être soutenu que par le levier en fait de canaux digitaux qui permettent aux clients ou aux producteurs, aux agriculteurs dans ce cas-là, de prendre des photos directement de leur production et d'envoyer ces données. Donc, il y a beaucoup, il y a énormément d'exemples en fait de l'utilisation du digital à la fois pour soutenir les services financiers eux-mêmes, donc le crédit digital axé sur des prêts d'adaptation divers ou bien de micro-assurance et aussi de développer des nouvelles applications ou des nouveaux services qui sont pas forcément financiers eux-mêmes, mais qui permettent d'augmenter la résilience, par exemple, de contrôler aussi, de savoir quand est-ce qu'il va y avoir des événements climatiques et de pouvoir se préparer à ça, d'avoir l'information en amont ou de pouvoir aussi identifier s'il va y avoir des catastrophes liées aux pestes ou quoi que ce soit. Donc, je pense que enfin, l'utilisation du digital, du numérique, va être extrêmement important pour adresser ces problèmes. Et peut-être par rapport à ça, je peux mentionner juste quelque chose qui est lié à une autre question qui avait été posée, de quels étaient les défis spécifiques qui concernaient les femmes par rapport en termes d'inclusion financière et d'adaptation au changement climatique. Et donc par rapport à ça, justement, si on prend en compte que les technologies numériques et les pourvoyeurs de services financiers, donc digitaux comme les fintechs, vont avoir un grand rôle à jouer pour aider à augmenter la résilience des clients. Là, on voit que les femmes, malheureusement, font face à des barrières supplémentaires de par non seulement les barrières d'accès aux services financiers en règle générale, mais aussi des barrières supplémentaires qui sont liées à l'accès au numérique et à l'accès aux services, enfin à l'accès au téléphone aussi, à l'accès physique en fait aux instruments qui leur permettent d'accéder à l'information et aux services financiers digitaux. Donc c'est des doubles défis qui vont devoir être adressés spécifiquement pour pouvoir avoir des services adaptés pour les femmes. Merci beaucoup Isabelle. Une question pour André. Comment est-ce que Corée Microfinance a pu faire face aux coûts élevés liés à la sensibilisation et à la formation des clients et du personnel? Oui, pour faire face, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des succès, c'est déjà, nous avons eu un engagement fort. Parce que nous avons fait quand même un projet d'avenir. Et nous avons dit, ben, quel que soit le coût, il faut y aller. L'investissement vaut quand même comparé au risque qui pèse sur notre portefeuille, l'investissement s'est justifié. Donc, ce que nous avons fait, nous avons déjà pris nos ressources internes. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un engagement fort de nos administrateurs qui nous ont donné quand même le feu vert. Et nous les avons intégrés en termes de dépenses dans les budgets qui ont été intégrés. Nous avons par ailleurs aussi cherché d'autres partenaires, des partenaires techniques comme des partenaires financiers qui nous ont accompagnés dans notre projet. Et aujourd'hui, nous continuons à chercher d'autres partenaires. Tout en sachant que l'avantage que nous avions, c'est que nous avons, au lieu d'aller chercher des ressources ailleurs, nous avons aussi rationalisé les ressources humaines internes qui avaient quand même des capacités. Et comment dirais-je encore, des connaissances avérées dans des domaines assez spécifiques. Alors, c'est ça aussi, c'est là-bas aussi où nous avons capitalisé. Nous sommes quand même les investissements qui nous ont. Bon, ça nous a trouvés aussi dans un programme. Hein. Nous étions dans un grand programme de digitalisation où il y avait déjà des investissements
préalables qui ont été déjà injectés. Donc, ce qui a fait que nous avons systématiquement intégré ce processus dans le programme global de digitalisation. Merci beaucoup André. Et j'ai maintenant une dernière question pour Olivier avant de clore le webinaire. Donc c'est une question sur l'impact. Est-ce qu'on a développé des outils à ce stade pour développer l'impact de ces mesures sur la biodiversité, sur les écosystèmes et sur l'inclusion sociale des populations? OK. Comme je l'ai dit, hein, en termes de. On est encore dans une phase, on va dire, pilote. Donc, sur ces aspects-là, c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir mener des premières analyses d'impact. C'est évidemment des choses et des outils qu'il faut développer. Sur l'impact, plus particulièrement, au sein du groupe et dans chaque filiale Advance, on travaille avec les études d'impact 60 décibels qui ont été développées, qui sont de plus en plus aujourd'hui une référence dans le secteur de la microfinance et qui ont aussi maintenant des éléments plus spécifiques liés au climat notamment. Donc ça, c'est des outils et des études qui sont menées régulièrement et que nous, on fait à fréquence régulière et qui nous permettent justement de potentiellement à l'avenir de voir et de mesurer plus précisément l'impact de nos actions. En matière de produits, comme je l'ai dit, c'est un peu naissant et on commence à réfléchir à ces questions-là et à introduire des nouveaux produits et services cette année. Donc, c'est plutôt dans les mois et les années à venir qu'on pourra mieux mesurer ces premiers impacts. Merci beaucoup, Olivier. Notre webinaire est maintenant terminé. Donc, un grand merci à nos trois intervenants pour leur contribution passionnante et pour être restés un petit peu plus longtemps. Et merci à l'audience pour votre participation active. Je vous invite donc maintenant à vous rendre sur Portail FinDev pour retrouver articles de blog, offres d'emploi, événements, publications sur la microfinance et la finance inclusive. Si vous vous intéressez tout particulièrement à l'impact du changement climatique sur l'inclusion financière, je vous invite à visiter notre page thématique dédiée. Et enfin, sachez que nous vous enverrons directement par email l'enregistrement et la présentation PDF partagée lors de ce webinaire, donc dans les jours à venir. Donc un sondage apparaîtra à votre écran pour nous dire ce que vous avez pensé de l'événement, sur les sujets pour les prochains webinaires, etc. N'hésitez pas à contribuer. Donc merci encore et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci, merci à tous.